الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الخامس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثالث من قراءة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous voici le 28 juillet 2018, réunis pour le troisième cours de la recommandation mineure faite par l'imam ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. Et je vous invite à vous rapprocher et à ne pas aller vous mettre au fond de la salle et à ne pas chercher à chaque fois des appuis pour votre dos, sauf si vous avez des problèmes de santé. Rapprochez-vous de la science et ne vous en éloignez pas, de peur qu'Allah ne vous en éloigne. Subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, nous sommes dans le troisième cours et nous nous sommes arrêtés après avoir traité de ce que l'on appelle al-mumahhisat. Ce sont les choses, on peut aussi dire ce sont les causes pour voir ces péchés effacés. Nous en avons cité quatre dans ce bas monde, trois dans la tombe et quatre dans l'au-delà, pour arriver à un total de 11. On a détaillé cela et on a expliqué, c'est l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah qui l'a cité dans son écrit, que dans ce bas monde il y en a quatre. Le premier qui est le repentir, le deuxième la demande de pardon, le troisième les bonnes actions pour voir effacer ses péchés. Ces trois-là relèvent du choix du serviteur. Il lui appartient de les mettre en pratique. Il peut vouloir le faire. Et la quatrième n'a pas de lien avec son choix. Ce sont les épreuves qui touchent l'homme dans cette vie d'ici-bas. Et lorsque l'homme est endurant et patient, Allah tabaraka wa ta'ala, pour cette patience, lui efface ses fautes. Ensuite, nous avons vu, ce n'est qu'à titre résumé que l'on revoit ces points-là. Nous avons vu trois points dans la tombe, n'est-ce pas? La salat al-janaza, quand je dis dans la tombe, c'est-à-dire dans après la mort. Et nous ne sommes pas encore arrivés au jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a salat al-janaza, la prière sur le mort. Il y a juste après salat al-janaza, Muhammad. Naam, fitnatul qabr, les questions dans la tombe. Et il y a les bonnes actions que les gens font pour les morts, comme le hajj pour un mort. Ce sont les trois causes pour effacer les péchés dans la tombe. On en a cité quatre ensuite, qui auront lieu le jour dernier. Ahwal yawm al-qiyamah. Comment on a traduit cela? Les situations terribles, les étapes terribles à traverser le jour dernier, dont on a cité quelques-unes, le jugement, le fait de passer sur le pont, au-dessus du feu, la balance des bonnes et des mauvaises actions, toutes ces étapes de l'au-delà qui seront tellement pénibles qu'elles seront une cause pour effacer les péchés du serviteur. Ensuite, nous avons cité Shiddatul Mawqif, la difficulté de la position debout le jour dernier, dans ce jour qui durera 50 000 ans, où les gens attendront chacun leur tour d'être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on l'a vu à Shafa'a, l'intercession. En premier lieu, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, nous avons vu Afu'Allah, l'expiation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous sommes toujours dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal
radiyallahu anhu. Lorsque le prophète l'envoya au Yémen, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ittaqillaha haythuma kunt » « Crains Allah où que tu sois ». En réalité, on a donné dans les cours précédents la bonne explication de cette phrase. « Wa atbi'i as-sayyi'at al-hasanata tamhuha » « Fais suivre le péché d'une bonne action qui l'effacera ». Nous avons vu toutes ces explications. Nous arrivons maintenant à la dernière phrase. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et donc, nous commençons donc aujourd'hui. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah, falamma qada bi hatayn al kalimatayn haqq Allah min 'amal as-salih wa islah al-fasid qala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. وهو حق الناس وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. Après qu'il eut terminé avec ces deux paroles, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut terminé avec ces deux paroles qui sont justement l'ordre de craindre Allah azza wa jal et le fait de faire suivre les péchés de bonnes actions, qui sont le droit d'Allah pour accomplir une œuvre pieuse et réformer la personne corrompue, c'est-à-dire ces deux premières phrases représentent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous souvenez que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait trois recommandations, celle de faire preuve de piété envers Allah, de faire suivre les péchés par les bonnes actions et d'avoir un bon comportement envers les gens. Vous vous souvenez qu'au début de cet écrit, il dit que c'est une recommandation globale, parce qu'elle réunit en elle le droit d'Allah et le droit des gens. Le droit d'Allah dans ces deux premières phrases que l'on vient de voir, le fait de faire preuve de piété envers Allah où que l'on soit, et de faire suivre les péchés par les bonnes actions. Ce qui va venir après, c'est en rapport avec le droit des gens, le droit des créatures. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ait un bon comportement envers les gens. Le noble comportement envers avec les hommes se résume par le fait de renouer le lien avec celui qui l'a rompu avec toi, en lui adressant la salutation, en étant généreux avec lui, en invoquant Allah azza wa jalla pour lui, en demandant le pardon d'Allah en sa faveur, en le louant et en lui rendant visite. Donner à celui qui t'a privé, que ce soit par l'enseignement, le bienfait ou l'argent. Pardonner et oublier envers celui qui t'a fait une injustice ayant trait au bien, à l'honneur ou au sang. Certains de ces droits sont des obligations, d'autres sont recommandés. Ibn Taymiyyah rahimahullah a voulu ici résumer le bon comportement et montrer la différence entre la personne qui prétend avoir le bon comportement et la personne qui a le bon comportement. Car le bon comportement n'est pas simplement de le prétendre. Il ne s'agit pas de simple prétention. Le bon comportement, ça se voit entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala avant tout, entre toi et la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, et enfin entre toi et les gens. Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité ici des choses qui sont difficiles pour les gens et qui sont les points montrant la réalité du bon comportement de la personne. Car donner à celui qui t'a donné n'est pas difficile. Sourire à celui qui t'a souri ne l'est pas non plus. Partager avec celui qui partage, c'est pareil, n'est-ce pas? Mais l'imam rahimahullah nous dit que
Le bon comportement se résume dans le fait d'être bien envers celui qui n'est pas bien envers toi. Pour résumer. Et il va citer quelques exemples. Comme le fait de renouer les liens avec celui qui l'a rompu envers toi. Aujourd'hui, tu vas trouver des personnes qui refusent de renouer les liens avec des gens qui peut-être lui sont proches. Pour quelle raison? Cette personne te dira, tant qu'elle ne revient pas, je ne ferai pas le premier pas. Pourquoi? Son âme, son ego n'accepte pas de se rabaisser parce qu'elle pense qu'elle se rabaisse devant une personne en oubliant que par cette action, elle n'a fait que se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala qui aime de son serviteur ses bonnes actions. Tabaraka wa ta'ala. Le fait de renouer les liens avec la personne qui les a rompus avec toi, comme le fait d'appeler cette personne, lui téléphoner, lui envoyer un message, même si tu sais qu'elle a rompu, même si tu sais qu'elle est en tort, c'est difficile, certes, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande source de récompense. Le fait d'être généreux, même si elle a été avare envers toi, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour elle, de demander à Allah de lui pardonner, de parler en bien d'elle et de lui rendre visite. Allahu Akbar. Et la personne qui parle n'est pas une personne, je parle de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, cette personne n'est pas une personne qui écrit pour montrer quelque chose qu'elle n'a pas. Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsque un de ses ennemis est mort, ses élèves sont venus à lui et lui ont dit « Nous te félicitons pour la mort de un tel. » Ibn Taymiyyah rahimahullah fut surpris par cette annonce. Il se renda aussitôt dans la maison de la famille du défunt pour leur dire « Désormais, c'est moi qui m'occupera de ses enfants. Désormais, c'est moi qui dépensera pour eux et dès que vous aurez un besoin, faites appel à moi. » Allahu Akbar. Regardez le comportement. Ibn Taymiyyah rahimahullah a passé un long moment de sa vie derrière les prisons en barreaux, injustement. Et pourtant, il a pardonné à ceux qui lui ont fait du tort. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala priait de longues heures et pendant qu'il était prosterné, il pleurait beaucoup. Il a été interrogé, pourquoi est-ce qu'il pleure? Il a dit qu'il s'est souvenu du verset où Allah Azza wa Jal va rendre le droit aux victimes d'injustice le jour dernier et il s'est rappelé de la personne qui le fouettait. Il a eu peur que cette personne se fasse châtier par Allah à cause de ça le jour dernier. Et aujourd'hui, tu entends que pour 20 euros ou 100 euros ou 200 euros ou plus ou moins, eh bien les personnes ne se parlent plus. Elles se détestent. Elles se détestent comme si elles étaient les pires ennemis alors qu'elles ont grandi ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand problème dans l'iman. Il y a un grand problème dans la foi et dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela montre que la personne a un manque quand elle a un agissement envers autrui. Elle ne regarde pas ou pas assez Allah tabaraka wa ta'ala. Elle regarde son nefs, son ego, le fait qu'elle va se rabaisser, les gens, que vont-ils dire de moi? Tout un tas de choses qui sont en réalité des freins pour avancer vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit ici que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a voulu en réalité montrer la différence dans des points qui vont faire ressortir le véritable bon comportement de la personne. C'est là que tu vas savoir si tu as un bon comportement ou non. La personne qui t'a fait du mal, la personne qui a rompu les liens avec toi, peut-être injustement, est-ce que toi tu vas renouer avec elle les liens? Est-ce que toi tu vas revenir vers elle? Toi qui sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. Le meilleur des deux, c'est-à-dire le meilleur des deux
co-religionnaires, des deux frères en religion, qui ont mis un terme à leur lien, est-ce celui qui revient voir l'autre le saluer en premier? Ça, c'est le comportement envers les gens. Ça, c'est le bon comportement, celui qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a ce bon celui qui a ce comportement est celui qui a le bon comportement. Et c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez bien vu que tout d'abord l'imam rahimahullah a dit après qu'il eut terminé avec ces deux paroles qui sont le droit d'Allah. La première parole sert à faire les bonnes actions. La deuxième sert à corriger le manque dans ses bonnes actions. Ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah où que tu sois, c'est-à-dire de faire des bonnes actions. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fais suivre les péchés par une bonne action qui l'effacera, car dans cette taqwa, dans ce lien que tu as envers Allah, tu vas avoir des manques. C'est inévitable. À ce moment-là, tu corrigeras ces manques par ce moyen-là. Après cela, il reste le comportement envers les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les exemples qui ont été cités par l'auteur ici, le fait de renouer les liens avec celui qui l'a rompu en lui adressant la salutation islamique, donner à celui qui t'a privé, pardonner à celui qui t'a fait une injustice dans tes biens, ton honneur ou ton sang, etc., Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit wa ba'du hadha wajib wa ba'duhu mustahab. Certains de ces droits sont des obligations, d'autres sont recommandés. Certains de ces droits sont des obligations. Si ta mère rompt les liens avec toi, toi tu dois les renouer avec elle. Ça fait partie des droits qui sont un devoir pour toi, qui sont une obligation. Entretenir les liens de parenté est une obligation. Il y a certains droits qui sont une obligation et d'autres, parmi les exemples cités ici, qui sont recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam rahimahullah a dit « Wa amma al-khuluq al-azim alladhi wasafa Allah bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ad-din al-jami' li jami' ma amara Allah bihi mutlaqa. هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. Il nous dit quant à la moralité exemplaire, le trait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'œuvrer sur la religion globale de tout ce qu'Allah a ordonné de manière absolue. Ceci est la parole de l'imam Mujahid ainsi que d'autres et qui est l'interprétation du Coran, comme l'a dit Aisha radiyallahu anha. Lorsqu'elle a été questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit « Sa moralité était le Coran. » Son comportement au prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran, l'application même des règles du Coran. La réalité de cette parole, c'est le fait de se précipiter à accomplir ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala, avec un cœur bon et une poitrine large. Ici, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous parle de la description qu'Allah Azza wa Jal a faite du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes doté d'une moralité éminente, alayhi salat wa salam, c'est-à-dire son comportement, sa façon de se conduire, sa manière d'agir envers Allah Azza wa Jal avant tout, envers les ordres d'Allah Azza wa Jal et envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agisse de croyants ou non, qu'il s'agisse de gens pieux ou non, il avait le meilleur comportement sallallahu alayhi wa sallam.
Mais dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne une information qui a une portée vaste. Ce comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en réalité l'application du livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est l'accomplissement des ordres d'Allah, le délaissement de ses interdits. Il n'y a pas un comportement meilleur que celui d'appliquer les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et délaisser ses interdits. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, n'appelle qu'à ce qui est bon et juste pour ses créatures. Et il n'a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que comme miséricorde pour le monde entier, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'était décrit son comportement qui réunissait toute la religion. C'est ainsi que l'a décrit le tabi'i, le dénommé Mujahid, rahimahullah, un des savants de l'explication du Coran. Et lorsque Aïcha radiallahu anha a été interrogée, comment était son comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha disait, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ. Son comportement était le Coran. C'est-à-dire, sa façon d'agir, son comportement était l'application du Coran. Si l'un voulait voir comment était le prophète, alayhi salat wa salam, même s'il ne l'avait pas vu, il n'a qu'à lire le Coran. Et tout ce qui est dit dans le Coran a été appliqué par le prophète, alayhi salat wa salam. Et il nous dit, rahimahullah, la réalité de cette parole, c'est-à-dire kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement était le Coran, la réalité de cette parole, c'est le fait de se précipiter à accomplir ce qu'Allah aime avec un cœur bon et une poitrine large. La réalité de cette parole, كَانَ خُلُقُ الْقُرْآنِ, et la réalité du bon comportement se résume dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal avec amour pour cela et avec épanouissement. C'est ça le bon comportement. Le bon comportement, c'est celui de la personne qui obéit à Allah Azza wa Jal et qui le fait avec envie de le faire, avec amour pour l'obéissance et pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle accomplit la prière, elle est épanouie. Lorsqu'il est dit à l'un des gens, va prier, cette personne est épanouie. Elle ne va pas avec lassitude accomplir la prière, avec aversion. Non, au contraire. Elle se dirige vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec amour. Cela fait partie du bon comportement. Car le véritable bon comportement, c'est le comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la personne qui a de bonnes qualités envers les gens, pendant qu'elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, pendant qu'elle délaisse la prière, pendant qu'elle délaisse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne n'a pas un bon comportement. Elle a des bonnes qualités avec les gens, mais qui ne lui seront pas utiles à cause de son mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le plus à même de recevoir avant tout, avant quiconque, avant tout le monde, ton bon comportement? Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné tes bienfaits desquels tu jouis, celui qui t'a honoré, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le véritable bon comportement qu'il faut retenir. Wa amma bayan an hadha kulluhu fi wasiyati Allah fa huwa an isma taqwa Allah yajma'u fi'la kulli ma amara Allah bihi ijaban aw istihbaba wa ma naha anhu tahriman wa tanziha. Quant à ce qui explique que tout ceci fait partie de la recommandation d'Allah est que le mot taqwa employé par Allah Azza wa Jal dans le verset
englobe tout ce qu'Allah a ordonné de faire de manière obligatoire et recommandée, ainsi que d'éviter tout ce qu'il a interdit, que ce soit une interdiction formelle ou par élévation de l'âme. Vous vous souvenez que dans le début de l'écrit, quand l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah commence à répondre au dénommé Abu al-Qasim al-Sibti, il cite le hadith de Mu'adh ibn Jabal que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas? Puis il dit cette recommandation qu'il a faite à Mu'adh, radiyallahu ta'ala qu'Allah l'agré, est une recommandation qu'il a décrit comme étant globale. Puis il dit, et c'est aussi la recommandation d'Allah, Azza wa Jal. Ensuite, il dit, quant au fait que cette recommandation est globale, et il a tout expliqué jusqu'à ce passage-là. Vous avez vu pourquoi c'est une recommandation globale? Parce qu'elle réunit en elle le droit d'Allah, Azza wa Jal, et le droit des serviteurs. Maintenant, il passe au deuxième point qu'il a traité au début, quand il a dit que cette recommandation, en même temps qu'elle est globale, elle est aussi la recommandation faite par Allah Azza wa Jal. Il va s'expliquer. Et quand il dit la recommandation d'Allah Azza wa Jal, il parle du verset où Allah Azza wa Jal a dit « وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ » Nous avons fait la recommandation aux gens qui ont reçu le livre avant vous ainsi qu'à vous-même de faire preuve de piété envers Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'un d'entre nous pourrait se dire, mais dans ce verset, Allah Azza wa Jal n'a pas fait mention du comportement. Donc en quoi est-ce que cela a un lien avec al-taqwa? C'est ça que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah va développer, comme dit le Sheikh Abd al-Razzaq. Et également, Ibn Taymiyyah rahimahullah va attirer notre attention sur les profondeurs des sens de la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit de manière globale que l'ordre de la taqwa, le fait de se prémunir du châtiment d'Allah par l'obéissance, ou alors l'ordre de la taqwa, réunit en réalité le fait de faire ce qu'Allah a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. Que ce soit des choses qui sont ordonnées par Allah Azza wa Jal de façon formelle ou recommandée. Des choses qui sont interdites par Allah de façon formelle ou, comme il l'a dit, par élévation d'âme. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas interdites, mais réprouvées. Et quand tu délaisses ces choses-là, ton âme s'élève chez Allah, subhanahu wa ta'ala. L'ordre de la taqwa réunit tout cela. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, continue, il nous dit « وَهَذَا يَجْمَعُ حُقُوقَ اللَّهِ » وحقوق العباد لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala continue. Ceci réunit les droits d'Allah et les droits des serviteurs. Cependant, le mot taqwa signifie parfois la crainte du châtiment induit par penchant envers les interdictions. Ce terme a été expliqué en détail dans le hadith de Mu'adh, radiyallahu anhu. Le mot taqwa est un mot qui est global, n'est-ce pas? Mais il peut arriver que ce terme-là, qui à la base signifie obéir aux ordres, délaisser les interdits, il peut arriver que ce mot-là, le mot taqwa, soit accompagné dans des versets ou dans des hadiths par d'autres mots. Quand il est accompagné d'autres mots, il voudra dire précisément le délaissement des interdits. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » Entraidez-vous dans ces deux choses, al-birr et al-taqwa.
Al-Bir et Al-Taqwa. Ici, Al-Bir, traduit par la bonté, va être expliqué comme étant les bonnes actions. Et la taqwa, plus loin, va être expliqué comme étant le délaissement des péchés. Pareil pour Al-Bir wa Husn al-Khuluq. Taqwa wa Husn al-Khuluq. La taqwa va être définie comme étant le délaissement des péchés et Husn al-Khuluq, les bonnes actions. Et c'est ça que veut détailler l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il nous dit certes, le mot taqwa à la base est un mot global, mais étant donné qu'il arrive que ce mot soit utilisé dans des textes pour désigner la crainte du châtiment d'Allah, le délaissement de ce qui conduit au châtiment d'Allah, eh bien, dans le hadith de Mu'adh, des détails sont venus pour nous montrer la taqwa, c'est le délaissement des péchés, et le reste, ce sont les bonnes actions. Il va montrer un exemple ici. Il nous dit que dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, il fut dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah, la taqwa, et le bon comportement. Vous voyez bien qu'ici, il y a la taqwa qui est venue avec d'autres choses, en l'occurrence le bon comportement. Or, on a dit que la taqwa est un mot qui a une portée globale, n'est-ce pas? Donc, comme il est venu avec un autre mot ici, il s'agit du délaissement des péchés. Et le bon comportement, c'est le reste. Taqwa Allah wa husnul khuluq. On lui demanda alors, et quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens en enfer? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, les deux cavités, la bouche et les parties intimes. La bouche et les parties intimes. La bouche, parce qu'il y a dedans la langue, et les parties intimes, en référence à aux actes tels que la fornication. Et il est clair que, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait rentrer le plus de gens en enfer et qui est une des plus grandes tentations, c'est la langue qu'on n'arrive pas à retenir, la langue qui détruit, la langue qui parle, la langue qui prononce les paroles qu'Allah déteste, et les parties dans la fornication, dans les fréquentations illicites, interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عبد الله بن عمر كالله لغري rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, les croyants à la fois la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les croyants à la fois la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Voici qui sont ceux qui ont la foi la plus complète, comme nous les a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le bon comportement a un lien direct avec la foi et la bonne croyance. C'est comme cela qu'il faut le comprendre. Celui qui a une bonne croyance aura un bon comportement. Celui qui a une mauvaise croyance aura un mauvais comportement. Ainsi, l'on voit l'erreur de beaucoup de gens qui disent que dans la religion, c'est le bon comportement avant tout. C'est faux. Dans la religion, c'est la foi, c'est la bonne croyance avant tout. C'est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala avant tout. Sinon, les bons échanges que tu as avec autrui, si tu commets le polythéisme, l'innovation, les péchés, ne va pas t'être utile devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je t'invite à méditer les hadiths qui répondent à ces gens-là, dans lesquels tu vois très souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir, quiconque a foi en Allah et au jour dernier » Ça, c'est la croyance, c'est la bonne aqida, c'est le tawhid.
C'est l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. Qu'est-ce qui va découler de cela? Fal yaqul khayran aw liyasmut. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Fal yukrim daifa. Qu'il honore son hôte. Donc vous voyez que c'est bon comportement d'honorer l'invité, de dire de bien, de dire du bien ou se taire, dépendent de la bonne connaissance que l'on a d'Allah et de la croyance que l'on a du jour dernier. Le bon comportement n'est pas la base, c'est la branche. Le bon comportement, c'est le tawhid, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله فاعبده وتوكل عليه وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. Ibn Taymiyyah rahimahullah continue et nous dit: donc il a induit la foi complète par le comportement vertueux complet. Il est connu que la foi tout entière est la crainte d'Allah, taqwa, même si les fondements de la crainte ainsi que ses branches ne présupposent pas ce sujet, car elle est la religion tout entière. Cependant, la fontaine et la source du bien, ce sont la sincérité du serviteur envers son Seigneur dans l'adoration et l'assistance. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée des sens, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'assistance ou l'aide. Également, la traduction rapprochée, adore-le donc et place ta confiance en lui. Traduction rapprochée également, en lui je place ma confiance et à lui je reviens repentant. Et cherchez auprès d'Allah la subsistance, adorez-le et remerciez-le. Voici la réalité de la foi. Voici la réalité de la taqwa, voici la réalité du bon comportement. Regardez que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, encore une fois, ramène tout ça à quoi? Au tawhid, au lien avec Allah, à la connaissance d'Allah, à l'unicité d'Allah. Mais il a fait une allusion au fait qu'il ne peut pas s'étendre dans ce sujet ici. Car en réalité, les branches de la taqwa ne correspondent pas à un écrit qu'on lui a demandé, dans lequel on lui a demandé d'être bref et concis. Donc le but ici n'est pas de détailler tout ça, mais d'attirer l'attention sur quelques points importants. Il dit que la base de tout cela, c'est la sincérité du serviteur envers son Seigneur, dans l'adoration et la demande de son aide. Puis il a cité quelques versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala montrant justement le rôle du serviteur. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Adore-le donc et place ta confiance en lui. En lui, tu dois placer, en lui je place ma confiance et à lui je reviens repentant. Cherchez auprès d'Allah la subsistance, adorez-le, remerciez-le. Ça c'est la base de l'iman. C'est la base de la foi en Allah. C'est de ça que va découler taqwa. C'est de ça que va découler husn al-khuluq, le bon comportement envers Allah Azza wa Jal, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunnah, envers les gens dans la façon d'agir. بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم او عملا لاجلهم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى nous dit:
par la rupture du cœur du serviteur à l'attachement des créatures, en recherchant auprès d'eux un bénéfice ou en œuvrant pour eux. C'est-à-dire là, le résumé de tous ces versets revient à détacher le cœur des gens et de le rattacher à Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit, la rupture du cœur du serviteur à l'attachement, on pourrait réduire ça et dire plutôt le détachement du cœur du serviteur, des créatures, lorsqu'ils recherchent auprès d'eux un bénéfice, ou lorsqu'ils œuvrent pour eux, le fait de se détacher de tout cela. Que son aspiration soit tournée entièrement vers son Seigneur, en s'attachant à l'invoquer dans toutes choses recherchées. Que ce soit un besoin, une affaire, une crainte ou autre. Que le serviteur œuvre pour son Créateur, pour toute chose aimée auprès de lui. Celui qui retient cela parfaitement, il sera impossible de décrire le résultat qui en découlera. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que celui qui a bien compris ce point-là, c'est-à-dire le fait de s'attacher à Allah Azza wa Jal et de se détacher de tout autre que lui, de toute créature, en recherchant chez eux, chez elles, chez ces créatures, les intérêts, en recherchant à leur plaire, en recherchant à œuvrer pour elles, et se diriger plutôt vers Allah Azza wa Jal, celui qui a compris cette base, il nous dit en arabe, وَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا وَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا, c'est-à-dire celui qui a maîtrisé ce sujet. Qu'est-ce que vous remarquez? Que pour la troisième fois, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son écrit, appuie sur l'importance de la compréhension. À chaque fois, il parle de la compréhension, la compréhension, la compréhension. Car sans compréhension, qu'est-ce que tu vas faire, si ce n'est des fautes, des erreurs, si ce n'est t'égarer? Sans compréhension, les gens ont dévié de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont dit des versets d'Allah, comme explication sans compréhension? Qu'est-ce qu'ils ont dit de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans compréhension? Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: وَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا, quiconque a bien maîtrisé cela, فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ مَا يَعْقُبُهُ ذَلِكَ, il sera alors impossible de décrire le résultat qui en découlera. C'est-à-dire, si tu as bien compris ça, tout le bien qui t'arrivera, je ne peux pas te le décrire, tellement c'est énorme. Dans ta vie et le jour dernier, dans ta tombe, tout le bien qui découlera de ta bonne compréhension et donc de ton application de tout cela, Ibn Taymiyyah te dit, je ne peux même pas t'expliquer, il est impossible de t'expliquer tout le bien que tu vas avoir si tu as cette compréhension. Nasallallahu al-tawfiq, on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider. Il dit ensuite, wa amma ma sa'alta anhu min afdal al-a'mal ba'da al-fara'id, فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Ibn Taymiyyah rahimahullah va passer maintenant à l'autre demande faite par l'imam
Abu al-Qasim Sibti rahimahullah, qui lui demande de l'orienter vers la meilleure action que je puisse faire après les actions obligatoires. Il lui dit, quant à ce que tu as demandé concernant la plus méritoire des œuvres après celles obligatoires, ceci diverge selon les différences entre les gens, selon leur capacité, leur temps imparti. Donc, on ne peut donner une réponse globale et détaillée pour tout le monde, pour chacun. Cependant, ce qui fait l'unanimité entre les savants et les connaisseurs, entre les connaisseurs d'Allah et de son ordre, est de s'attacher au rappel d'Allah en tout temps et toute situation. En bref, c'est la chose la plus méritoire auquel le serviteur peut s'attacher. Muslim rapporte dans son recueil de hadith, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous ont précédé ceux qui se sont singularisés. Ils ont dit: mais qui sont ceux qui se sont singularisés, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux et celles qui font beaucoup le rappel d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Avant même d'entrer dans le détail de cette question-là, vous remarquez que Abu al-Qasim al-Sibti, rahimahullah, lorsqu'il a fait sa demande à l'imam Ibn Taymiyyah, il lui a demandé de l'orienter vers les meilleures actions, il dit, après les actions obligatoires. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui répond: quant aux meilleures actions après les actions obligatoires, ceci pour attirer l'attention sur le fait que les actions obligatoires sont les meilleures de toutes les actions. Au point où les savants ont dit qu'il fait partie des signes montrant le mal dans une personne, qu'elle s'intéresse aux actions méritoires qui ne sont pas obligatoires avant même de se concentrer sur les obligations. C'est une grande faute, une très grande faute. Ils ont dit: man qaddama an-nawafil, man ishtaghala bin-nawafil 'anil fara'id fa huwa maghrur, wa man ishtaghala bil-fara'id ma'dur. Celui qui fait passer les actes recommandés avant les obligations a été trompé. Il a été trompé par le shaitan. Et celui qui fait passer les obligations avant les actes recommandés a une excuse. Il est occupé par les obligations. Pour vous donner des exemples, Ramadan arrive, n'est-ce pas? Lorsque Ramadan arrive, vous voyez beaucoup de gens qui entrent dans la mosquée pour prier Tarawih. N'est-ce pas? Ils veulent prier la prière du Tarawih en groupe, qui est une bonne action, sans aucun doute. Cependant, ces mêmes personnes, ou beaucoup de ces mêmes personnes, ne sont pas vues dans les 5 prières en groupe, alors qu'elles peuvent le faire. Elles ont donc fait passer les prières non obligatoire avant les prières obligatoires. Et ça, c'est une grande faute. Parce que une seule des prières, des 5 prières, est meilleure chez Allah Azza wa Jal que tout le Tarawih entier, tout le mois, toute la nuit. Parce que l'un est obligatoire, l'autre est recommandé. Et dans le hadith Qudsi, hadith authentique, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Quiconque se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Puis il dit: wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa la yataqarrabu ilayya 'abdi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose meilleure que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire que ce que je lui ai rendu
obligatoire. La meilleure façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est par les actions obligatoires. Avant tout, concentre-toi sur l'obligation avant l'acte recommandé. Allah Azza wa Jal continue. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Puis, mon serviteur continue à se rapprocher d'Allah, à se rapprocher de moi par les actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Qu'est-ce que tu remarques dans ce hadith? Qu'est-ce qui a été cité en premier? Les obligations. Al-wajibat qabla al-mustahabbat wa laysa al-aks. Les obligations passent avant les actes recommandés et non pas le contraire, comme beaucoup de gens malheureusement le comprennent à tort. Tu vois des gens qui font beaucoup de sadaqat, des aumônes, mais lorsqu'il s'agit de payer l'aumône annuelle, ces mêmes personnes ne donnent pas l'aumône annuelle. Tu vois des gens qui aiment, par exemple, payer de leurs biens le pèlerinage pour des gens, alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas fait. Ils font passer un acte surérogatoire avant l'obligation. Et ils pensent parfois qu'il est meilleur de faire ça. J'ai pas été, mais j'ai donné à un tel. Non, c'est une faute. Ou alors, tu vois des gens qui font des jeûnes recommandés et qui ne font pas le jeûne obligatoire. Tu vois des gens qui font des actions qui sont recommandées, mais dans les obligations, ces mêmes personnes ne sont pas là. Ça, c'est une erreur. Également, on apprend à travers ce hadith divin, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les alliés d'Allah, al-awliya. Car quand Allah azza wa jalla a dit « Quiconque se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre », ce qui va venir après, comme nous dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, est une présentation de qui est l'allié d'Allah. Celui qui fait les actions obligatoires par lesquelles il se rapproche d'Allah avant tout. Ensuite, il fait les actions surérogatoires recommandées jusqu'à ce qu'il soit aimé d'Allah. Et tu vois à travers ce hadith aussi que les alliés d'Allah Azza wa Jal ont deux degrés. Le premier degré, le plus bas, ceux qui se contentent des obligations. On les appelle al-muqtasidun, les économes. Les économes. Économes dans quel sens? Dans le sens où ils se sont contentés de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Ils ont délaissé l'interdit, ils ont appliqué les ordres, mais ils n'ont pas ajouté à cela. Il y a ensuite le degré supérieur à eux, ceux que l'on appelle al-muqarraboun, les rapprochés, qui eux ont fait les obligations, ont délaissé les interdits, mais ils ont aussi délaissé tout ce qui est détestable et ils ont fait tout ce qui est recommandé. On voit donc qu'ils ont uni les actions obligatoires aux actions recommandées, mais ils ont devancé les actions obligatoires aux actions recommandées. Ça, ce sont des points qui sont importants, qu'il faut absolument saisir et bien comprendre. Si cela est compris, alors l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit à son interrogateur qu'il ne peut pas faire une réponse sur mesure pour tout le monde, ou alors une réponse globale qui concernerait tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte la capacité des gens. Il faut prendre en compte ce que les gens savent faire, ce que les gens peuvent faire. Pour l'un, il est meilleur de lire le Coran. Pour l'autre, il est meilleur de jeûner. Pour l'un, il est meilleur de donner des aumônes. Pour l'autre, il est meilleur de faire du dhikr. Non, on ne peut pas donner une réponse qui sera identique pour chacune des personnes. C'est pour ça que vous allez voir dans plusieurs hadiths que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé sur les meilleures actions, des fois il dira que c'est la prière en son temps, des fois il dira à un autre compagnon que c'est telle et telle autre action, des fois il dira encore une autre chose. Alors qu'à chaque fois, la question qui lui est posée est la même. Quelle est la meilleure action? Pourquoi est-ce que d'après vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à une seule et même question donne plusieurs réponses différentes parce qu'il prend en compte la personne qui lui pose la question et ce qu'elle peut et ce qu'elle sait faire. Il sait qu'une personne a des facilités dans tel domaine, il lui dit pour elle, la meilleure action, c'est tel domaine. Telle autre personne a des facilités dans tel autre domaine, alors on lui dira à elle que la meilleure action après les obligations pour elle, c'est tel autre domaine. Il faut prendre en compte la capacité des gens. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a même cité, et c'est d'ailleurs ce qu'a aussi dit l'imam Ibn Taymiyyah, qu'il faut prendre en compte aussi les périodes et les moments. Car il y a des actions qui sont louables, qui sont bonnes, qui peuvent être meilleures que d'autres, mais lorsque nous arrivons au moment où il est spécialement légiféré de faire cette autre action, alors faire cette autre action est meilleure. Bien que la première action à la base est meilleure chez Allah, Azza wa Jal. Mais lorsque tu arrives dans un moment où il y a une action particulière dans ce moment-là, la meilleure chose à faire pour toi, c'est cette action-là. Je te donne un exemple. Lire le Coran, recevoir un invité. Tu es en train de lire le Coran, qui est une des meilleures actions, comme tu le sais. Tu reçois un invité. Quelle est la meilleure chose à faire? Tu lis le Coran ou tu t'occupes de ton invité? Tu t'occupes de ton invité. Parce que là, tu es dans le moment où la meilleure chose à faire, c'est cette action-là. Le prophète alayhissalam a dit, celui qui a foi en Allah au jour dernier, qu'il honore son invité. Donc, celui qui dirait, je suis en train de lire le Coran, c'est meilleur que ça. Sa compréhension est défaillante. Vous avez compris? Tu es en train de lire le Coran. Tu entends l'appel à la prière. Quelle est la meilleure chose à faire? Répondre à l'appel à la prière. Car en ce moment-là, la meilleure action que tu puisses faire, c'est celle qui est prescrite, c'est répondre à l'appel à la prière. Vous avez compris que si les gens sont donc différents dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils peuvent faire, premièrement, et deuxièmement, si les temps varient, on ne peut pas apporter une réponse à cette question qui sera bonne pour tout le monde. Vous avez compris ça? C'est ce qu'a voulu dire l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Quant à la question, lorsque tu m'interroges sur la meilleure action après les actions recommandées, je ne peux pas te donner une action pour tout le monde, car ça dit, ça varie en fonction des gens et des moments. Quand est-ce que tu me poses cette question? Peut-être que tu me poses cette question au moment où il y a une action qui est légiférée, je te dirai alors c'est cette action qui est meilleure. Tu me reposes cette même question dans un autre moment où une autre action est légiférée, je te dirai c'est cette action. Mais il va malgré tout donner une réponse d'ordre global qui peut concerner tout le monde. C'est celle de la question du rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit cependant, ce qui fait l'unanimité entre les savants et les connaisseurs est de s'attacher au rappel d'Allah en tout temps, en toute situation. Ça, c'est clair que pour tout le monde, c'est quelque chose qui est bon et que cela fait partie des meilleures actions pour tout le monde. En bref, c'est la chose la plus méritoire auquel le serviteur peut s'attacher. Puis il a cité le hadith de Abu Huraira où le prophète alayhi salatu wassalam informe les compagnons qu'il existe des gens qui ont devancé tous les autres, qui ont devancé tout le monde. Mais comment est-ce qu'ils les ont devancés? Par quoi est-ce qu'ils les ont devancés? Et là le prophète alayhi salatu wassalam leur dit qu'il s'agit de ceux qui ont évoqué Allah, hommes et femmes, qui ont évoqué Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. D'ailleurs, les savants ont dit que dans toute adoration, les gens les plus récompensés sont ceux qui, dans cette adoration,
on fait le plus de dhikr. Exemple. Tu jeûnes, il jeûne. De l'aube au coucher du soleil. C'est exactement la même action que vous avez faite, n'est-ce pas? Qui d'entre vous deux va avoir la plus grande récompense? Celui qui a fait le plus de rappels d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué Allah plus que l'autre. Il a mentionné le nom d'Allah plus que l'autre. Il a récité le Coran plus que l'autre. Il a demandé à Allah le pardon plus que l'autre. Il aura plus de récompenses que l'autre. Les deux personnes font le hajj, le pèlerinage. Qui d'entre les deux a la plus grande récompense alors qu'elles marchent ensemble peut-être? Celle des deux qui a fait le plus de dhikr. Le dhikr t'élève en degré au-dessus des autres. Pour ça, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Sabaq al-mufarridun » ont devancé les autres, ceux qui se sont singularisés. Qui sont-ils aux messagers d'Allah? Il répond « Les hommes et les femmes qui ont beaucoup évoqué le nom d'Allah. » Subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on reprend demain, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Mais avant de m'arrêter, je reviens sur la confusion au niveau de la date de naissance de l'imam ibn Taymiyyah et la date où cet écrit lui a été lu. Ce qui prouve qu'il a écrit cette lettre alors qu'il n'avait pas encore atteint les 36 ans. Vous vous souvenez, il y avait une petite confusion. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est né en l'an 661. Et cet écrit a été lu sur lui par ses élèves en date de l'an 697, ce qui fait 36 ans. Donc quand il a écrit cette lettre, il avait moins de 36 ans. Voilà pour ce point-là. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.